Les pluies font une rentrée fracassante sur le triangle national. Samedi, la ville de Boya a été frappée d'une épouvante pluie qui a provoqué une inondation. Le torrent d'eau a emporté sur son passage plusieurs maisons, laissant des familles sans abri et de nombreux disparus. Plusieurs sources non officielles annoncent la disparition de 6 personnes et le décès d'un enfant emporté par les eaux de pluie. L'origine de ce drame serait l'absence des voies de canalisation pour faciliter la circulation des eaux en provenance du Mont Cameroun qui aurait affecté Boya Town. Plusieurs spécialistes mettent en cause l'absence de plans d'urbanisation adaptés à cette zone propice aux catastrophes. Rappelons que la ville de Boya est une zone de forte pluviométrie située sur le flanc du Mont Cameroun. Cette position explique la grande vitesse des torrents observés lors des fortes pluies de ce samedi. Le retour des pluies est donc un moment de tourmente pour les populations de la ville de Boya. Dame Nature peut se déchaîner à tout moment. La dernière catastrophe date du 25 mars 2020, dans les circonstances similaires, qui avait fait 4 morts.